Et salut tout le monde, c'est FBI, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo que j'avais mis pour avoir un go-kart sur GTA V, je vous avais dit que si vous vouliez que je réalise un véhicule modé, donc avec mon mode menu, il fallait mettre dans les commentaires le véhicule que vous voulez que je fasse. Et donc il y a un abonné, donc Eddy, donc petite dédicace à toi, qui m'a dit dans les commentaires, est-ce que tu pourrais réaliser la Batmobile? Donc la voiture de Batman, et donc j'ai essayé de réaliser cette Batmobile, et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Je vais avancer un peu le temps parce que là il y a les ombres. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai réalisé la Batmobile. Bon, j'ai essayé de mettre une tenue de Batman parce que sur GTA on a une tenue de super-héros, et après avec mon menu je l'ai tout mis en noir. Ça, on dirait un peu Batman avec l'éclair jaune, mais ça fait un peu bizarre avec la cape rose dans le dos. Et donc voilà, j'ai réalisé cette Batmobile avec mon mode menu, mais pas seulement en fait. Regardez, donc j'ai fait spawn une voiture qui s'appelle la Stinger, donc la Grotty Stinger. Et donc devant j'ai mis des pneus, donc comme sur la Batmobile. Donc après il y a plusieurs Batmobiles qui existent, mais moi j'ai fait celle que je trouvais la plus jolie. Donc voilà, devant j'ai mis les pneus pour faire, je sais pas trop, mais sur la Batmobile en fait il y a, c'est pas un canon, c'est comme s'il y avait une grosse roue devant, et en fait ça sépare le véhicule en deux au niveau de l'avant. Donc voilà, j'ai essayé de le faire avec des pneus, ça rend pas mal. Et donc à l'arrière vous pouvez voir qu'il y a un aileron, donc c'est l'aileron de la Zentorno. Donc vous allez vous dire comment il a fait pour mettre l'aileron de la Zentorno sur la Stinger. Bah en fait sur mon ordinateur j'ai un logiciel, et avec ce logiciel bah, je peux mélanger plusieurs véhicules du genre Zentorno avec, là comme j'ai fait, j'ai mélangé Zentorno et Stinger, et du coup ça m'a fait l'aileron de la Zentorno sur la Stinger. Et si on regarde bien à l'avant, prends mon sniper, voilà, on peut voir là il y a un tout petit bout de la Zentorno qui dépasse, et donc voilà, ça fait un petit détail bien sympa. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour faire la Batmobile. Donc si vous voulez que je vous fasse un petit tuto pour pouvoir mélanger deux véhicules, donc comme là la Zentorno et la Stinger, dites le moi dans les commentaires. Je précise juste que pour mélanger deux véhicules il n'y a pas besoin de mode menu, donc ça c'est vraiment super, et en plus c'est avec un PC et une clé USB, donc c'est vraiment simple. Donc si vous voulez un tuto, ben dites le moi dans les commentaires, je vous en ferai un, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là en fait c'est pas le bruit de la Zentorno, c'est le bruit de la Stinger. Je sais pas si vous entendez le bruit du véhicule. Voilà, vous pouvez voir que ben elle roule bien, c'est la Stinger, donc elle tient bien la route. Voilà, je trouve qu'elle tient super bien la route. Donc je fais encore une petite dédicace à l'abonné Eddy. Vraiment merci à lui de m'avoir donné une petite idée, comme ça j'y pensais vraiment pas. Et donc si vous voulez que je réalise d'autres véhicules, ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Au moins je pourrais sortir différents véhicules modés sur GTA. Et ça pourrait être sympa. Je peux obligé de faire que des voitures. Je peux faire aussi des motos ou des tracteurs. Bon après ça c'est un peu bizarre, mais voilà, je peux faire des camions, des motos, des tracteurs. Je peux faire vraiment plein de choses. Mais je peux pas faire de véhicules aériens, je crois. Donc me demandez pas de véhicules aériens. Je ne pourrais pas en faire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je me répète encore une fois, si vous voulez des véhicules modés, dites-moi le nom du véhicule que vous voulez dans les commentaires. Par exemple la Batmobile, ou ben là elle a déjà été faite. Mais par exemple d'autres noms de véhicules qui existent soit dans la vraie vie, soit dans un film, dans un dessin animé comme là dans Batman. Et donc oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. On peut remarquer un petit détail à l'arrière, donc ça je l'ai mis. Ouais, sur la plaque d'immatriculation, j'ai écrit Batman. Au début, je voulais écrire Batmobile, mais voilà, ça rentrait pas. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Et moi, sur ça, je vous dis ciao tout le monde. Bye.